Et si tu veux te la jouer, bah viens ici, hein. Monte sur scène, hein. Moi, je t'attends. Bouger. Eh, moi, j'ai été élevé à la ch'ti, hein. Bière, frites, foot, tuning. Bouger. Non, le jeu limite, ils avaient... c'était déjà fait en fait. Ouais, c'est ça. Ouais, le jeu était déjà fait, il était déjà fait sur portable. Les gens, ils vont jouer à ce truc. Voilà. Là, c'est comme Pokémon Conquest ou je sais pas quoi, là, les mini-jeux qui sortent, là, c'est juste histoire de gagner un peu de. Oh, Trabagar Chenny. Oh mon dieu. Déjà. Oh, voilà, fucking shit, maman. What? Oh là là, mais c'était trop rapide. Bonjour, c'est encore moi. Donc voilà, Trabagar chromatique, femelle. Le chiffre 483, voilà, c'est vraiment un petit chiffre. Alors, et je me suis emmerdé à trouver une recherche pour attendre que Yumi trouve son Vemini. Donc du coup en fait ça me fait un petit peu chier qu'il soit tombé aussi rapidement. Enfin bon, ce Pokémon est magnifique. Je l'ai vu direct, hein, le rouge à la place du bleu, enfin voilà, c'est immanquable. Donc je fais OO sur 2G juste à côté, donc j'aurais préféré que ce soit OO qui tombe. Donc je pense que je vais tellement trouver à côté que OO va me le faire payer, je vais le trouver à 15 000. Donc pour l'instant c'est mon quatrième shiny en très peu de temps, alors que j'ai pas trouvé depuis février je crois. Et ça fait bizarre de trouver aussi rapidement, sachant que alors aujourd'hui effectivement j'ai pu se passer mon temps à essayer de faire des choses pour Amandine par rapport à des futures recherches, puis faire d'autres trucs à côté. Donc du coup c'est assez violent. C'est assez violent comme réaction parce que je m'attendais pas du tout à le voir ce soir. Donc on est sur ma version lune, hein, pas sur ma version ultra lune. Donc voilà, le chiffre, c'est juste de la pure moule. Mais alors, j'ai tellement fait un gros chiffre sur Riveltal que finalement, bah, je trouve trop rapidement sur 7G. Ouais, je me perds tout seul, mais là, bon, voilà. Donc j'espère que je vais pas avoir trop de la chance abusée comme ça à l'infini. Je sais pas ce que je vais faire derrière. Je pense que je vais essayer de retrouver un Pokémon fixe. Je sais pas lequel, je vais essayer de retrouver quelque chose. Donc là, je vais mettre un peu de son. Et je vais faire attaque. Et je vais faire cage éclair. Et il évite l'attaque. D'accord, ok. Ah, c'est un beau gosse. Enfin, c'est une belle gosse. Bah, voilà, je fais statique. Voilà, bien fait. Et puis on va lancer une bobole, hein. Donc on va pas faire une critical, ça sert à rien. Donc alors Y. Bisbol non. Chrono non. Alors comme c'est une femelle, je vais la faire évoluer. Je vais pas l'appeler Franky, donc Franky c'est par rapport à One Piece bien sûr. Ouais non. Je vais peut-être essayer de la choper à la masse boule. On va voir. Je crois pas que j'ai chopé un Pokémon à la masse boule depuis longtemps. D'accord, elle va rentrer du premier coup. Non. Bulle d'eau. Alors je crois qu'il ouais, est au combat, je crois, non. Et son évolution, elle est glace combat, je sais pas un peu plus. Alors je suis moins fan de son évolution, mais bon là. Voilà, il est attrapé. GG pour moi-même. Et je gagne 100 points, 120 points. J'ai pas d'idée de surnom pour l'instant. Ça rejoint une équipe des Paris Nature, les gens. Donc il y a gentil, mauvais et timide et brave. Alors il y a brave et visible.
Il est solo de nature, comme Han Solo. Non. Je vais pas l'appeler Leia quand même, la pauvre. Putain. Elle est vraiment très jolie. Route 10. Voilà. Je sais pas quoi dire là. Bah ouais, mais bon, vous connaissez, c'est comme ça, il faut bien faire de l'argent. Hein. Ouais, attends. Faut que je rencontre un Pokémon dans les herbes. Enfin, ouais. Wouah, il est quand même super classe. Il a brise-moule. Donc il a réussi à fuir. Donc je vais vous laisser, je sais pas ce que je vais faire derrière. Alors oui, pourquoi je refais un troisième OO? Parce que j'adore Lugia et OO, tout simplement. Que j'ai fait le duo sur AGSS, j'ai fait le duo sur Rouge Feu et Vert Feuille, et là j'ai envie de faire le duo sur Or et Argent, tout simplement. Et après je pense que je ferai Célibi. Et voilà. Hein. Puis après, après la bagarre, je sais pas ce que je peux faire après la bagarre. Voir ce que je peux faire après la bagarre. Tout va dépendre de Yumi aussi un petit peu, si elle trouve ce soir ou pas. Voilà. Ouais, je lui mets la pression. Voilà. Et puis bon, je vous dis à plus les gens pour un prochain chromatique. Allez, bye, bisous. Salut.